Hello, hello, my beautiful people! Bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais que ça fait un bon bout que j'ai disparu. Aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi. Alors, c'est tout simplement parce que je suis officiellement candidate finaliste à l'élection nationale de Miss Cameroun 2020. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, en 2017, j'ai été élue Miss Cameroun Canada et c'est cette année que j'ai décidé de me présenter à l'élection nationale de mon pays. Je suis la candidate numéro 1 et je compte sur vos votes. Aussi, là je vais vous montrer mon quotidien, on va voir la suite, l'avancée des travaux dans la chambre que je rénove, quand j'étais à Yaoundé. Je vais vous montrer un petit peu ma vie de tous les jours. Dans les prochains vlogs, vous allez voir ma campagne médiatique au titre de candidate à Miss Cameroun. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. Bon, on va voir un petit peu comment ça avance ici. Alors, quoi de neuf? Ils vont commencer à couler la chape. Donc là, vous voyez, ils sont en train de faire la chape en fait. Hein. Ils cachent les câblages, tout ça. Ils ont tracé la ligne qui va. La ligne du staff. Ensuite, voilà, donc il faut éviter de toucher tout ça. Ils ont bien. Fait ça. Là, on voit un petit peu mieux les vitres en. Les briques de verre, en fait. Vous voyez, ça, c'est super cute, ces blancs là. Attendez, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Quand il y aura la lumière à l'extérieur, vous allez mieux voir les briques de verre là. C'est super beau. Vraiment, vraiment, il y a mon petit chien qui me dérange. Aïe, 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 arrête de me croquer. Arrête de me faire mal. Je peux pas la mettre par terre parce que. Elle va faire des dégâts, ça doit sécher. Et voilà, il n'y a pas encore de changement ici aux toilettes. Non, il n'y a pas de changement aux toilettes. Donc, c'est ça. Waouh! Waouh! J'ai hâte! J'ai hâte! Voilà. Donc, vous savez, il y aura les lumières tout autour là, tout le long de la corniche comme ça. Il y aura des lumières. Et ça va être. Super, ça va être super joli. Vraiment, ça va être très très beau. Yes! Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on va aller faire quelques achats, acheter les lustres, plutôt le lustre qui va aller dans la chambre. Sinon, il y a aussi dans la salle de bain, on va essayer de voir une lumière qu'on peut mettre au plafond. Quoi d'autre encore? Les petits trucs, hein, genre le porte. Papier, le PQ, ou porte-serviette, pas ou, et porte-serviette, donc les petits trucs comme ça pour la chambre. Aujourd'hui, j'ai changé de perruque, vous avez vu. Je porte, là, c'est le modèle Ciara en taille 10 pouces, donc ce n'est pas le 12 là. J'avais déjà fait une revue sur cette perruque il y a longtemps, donc là, c'est en taille 10 pouces, densité 150%, bonnet les 100 pouces, c'est en vente sur mon site internet, magiclesset.com. Donc, c'est ça. Tout est beau aujourd'hui. Donc, voici l'entrée de la chambre. Les murs sont déjà faits, ils sont très très lisses là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ils sont vraiment lisses là au toucher, c'est superbe. On va prendre ce petit chien avant qu'il fasse des dégâts. Bon, l'entrée. Regardez comment ça commence à prendre forme. Donc au-dessus, il y aura les lumières à l'intérieur, là, les espaces que vous voyez là, il y aura les lumières partout, partout, partout. Là, ils ont commencé à mettre la porte en aluminium blanc. Et voilà, demain c'est samedi. Demain, les ouvriers doivent couler la chape, donc la base de la chambre en fait. Ils doivent couler la chape, j'avais dit, je sais pas si je l'avais dit, je ne me rappelle plus exactement, mais... Je pensais qu'on aurait mis les carreaux dans la salle de bain, mais il y a eu un petit souci à l'intérieur avec les tuyaux, donc ça va être repoussé. La pose des carreaux va être repoussée, sinon là on a le petit jardin qui commence à prendre. J'ai envie de mettre une chaise suspendue, donc on va la suspendre là-bas en haut. Là il y aura la sortie du climatiseur. Là en fait j'avais dit dans une autre vidéo que c'était l'applique, mais l'applique n'est pas là. L'applique est plutôt de l'autre côté. Donc l'applique sera ici en haut là. Et là c'est la fenêtre des toilettes. Donc c'est ça, ils n'ont pas encore posé la fenêtre des toilettes parce que
Le monsieur s'est trompé, il était venu avec une fenêtre transparente, alors que sur les toilettes, il faut que ce soit opaque. J'avais demandé opaque, mais c'est ça. Donc ils sont partis, ils vont partir avec la fenêtre, ils vont me rapporter une fenêtre opaque. Là, on voit vraiment que la chambre est très grande. Hein. J'avais pas réalisé à quel point elle était aussi grande, elle est vraiment grande. Puis on a commandé maintenant les meubles, donc la dame qui va faire les meubles, je pense que je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Voilà. Je pense que je l'ai dit. Je sais pas si je me répète, mais pretty good. Ah oui. Ça commence à avoir de la lumière. Tout ça. Ah ah. Ok. T'es contente, bébé? T'es contente, Samara? T'as vu ta nouvelle chambre? T'as vu? C'est beau! J'ai hâte. Bon, j'ai trouvé une menuisière. Elle a une compagnie, elle avait déjà travaillé avec mes parents avant, donc je pense que je vais aller avec elle. Je sais que j'aurai quelque chose vraiment bien fait. Elle a envoyé son devis et on va faire ça donc. On va faire le lit avec elle, les tables de chevet, la penderie et la porte. Parce qu'il y a la porte d'entrée aussi qui est blanche, blanc mat. Et voilà. Là, on est le matin. Regardez toute la lumière qu'on a ici. On a vraiment beaucoup de lumière avec l'ouverture là. Donc, j'espère que vous arrivez à voir quelque chose. Ouais. Regardez l'ouverture grâce aux briques de verre. Il y a beaucoup de lumière dans la pièce. Il y en a vraiment, je crois, suffisamment. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et mon chien qui dérange. C'est bien ça, hein? Il faut te salir. Après, c'est moi qui vais te laver. Évidemment, c'est moi qui vais la laver. Arrête. Elle a tellement grossi. Elle passe son temps à manger, 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 manger. Tu manges trop. Arrête de manger. Son ventre est énorme. Ici, ils ont barricadé parce qu'ils vont commencer enfin à mettre les carreaux sur les murs. Donc là, ils m'ont lissé un peu. Enfin, mais non pas lissé, ils ont uniformisé un peu. Et les carreaux vont venir là. Tellement de voir les carreaux de la salle de bain. Elle a l'air vraiment plus grande. Hein? Vraiment plus grande. Ah, j'ai hâte. Oh, oh, oh. Voilà, ici. Amara. Amara, arrête. Non. Et laisse ma robe. Laisse ma robe. S'entendait le truc. Laisse ma robe, ouais. Oh. Enfin, si tu es têtu, hein. Laisse ma robe. Laisse ça. Laisse. Laisse, 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 laisse. Non, Oh. Oui. Laisse ma robe. Amara? Amara? Pourquoi tu déranges comme ça? Et maintenant, c'est par derrière. Laisse-moi. Ah, laisse-moi. Robe. Ouais. Oh. Elle veut pas laisser ma robe. Laisse ma robe, Amara. Laisse ma robe. Laisse ma robe. Ah, laisse-toi tranquille. Oh. Ouais. Elle me dérange. Et maintenant, elle me croque le pied. Aïe, aïe, aïe. Amara, c'est quoi? Aïe. Ouais.
elle aime le jeu jusqu'à... Amara. Amara, arrête de... Parce qu'elle m'aboie. Tu m'aboies. Hey. Non. 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 Regardez comment elle se positionne. Vous faites ces choses-là. Arrête. Stop it. Quand tu vois la caméra, tu fais semblant. Montre-le ton vrai visage. Hey. Le bébé de maman. Le bébé de maman. Coucou. Je vais vous montrer aujourd'hui l'avancée des travaux. Malheureusement, je ne peux pas entrer parce qu'ils ont coulé la chape. Vous voyez. Donc, je ne peux pas entrer. Ils sont en train de sécher. On voit déjà la porte à l'intérieur là. On voit la porte en aluminium. Et ici, comme ça. Donc, oh là là. Comment ça ressemblait à quelque chose? Oh, ok, ouais, je l'ai vu. On entend un peu les cônes. Mon Dieu, vous voyez les éclairs là? C'est comme ça depuis au moins une dizaine de minutes là. On sent qu'il va pleuvoir, mais pas à peu près. Et il n'y a pas de bruit. Hein. Ça fait juste ça, c'est incroyable. Je suis allée chercher ma caméra, je suis revenue. C'est dingue. J'ai jamais vu ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Waouh. Ça alors. Mon Dieu. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a même pas de bruit. En fait, on n'entend pas le tonnerre. Ah, ça alors. À Bonapriso, à Douala, et voilà. Donc, je vous aurais filmé bien tout, mais bon, c'est ça. Avant ça, on m'a fait un petit soin de visage parce que j'ai fait une allergie au lait. Vous savez, je suis allergique au lait méchant quand je prenais le bain de table. Donc, ma peau était un petit peu, elle est toujours un petit peu avec des petits boutons et tout, mais ça va s'en aller d'ici 2 jours normalement. Et voilà. On va faire un petit soin de visage et là je vais faire mes pieds. Bon, on va aller voir un petit peu l'avancée là. Ils ont mis le. Comment on appelle ça? Ils ont coulé la chape là donc. Et ils ont mis le pré-cadre. Donc l'emplacement, il y aura la porte. Ils sont en train de refaire ça. Là, on a commencé à poser les carreaux au sol. Donc ils sont protégés. On a commencé à poser les carreaux du sol ici et pas juste. Hein. On a commencé aussi à poser les carreaux de la salle de bain. Donc, je sais pas pourquoi ils ont laissé ça debout comme ça. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est un noir en fait. C'est noir mat. Donc, ils ont commencé à faire ça et voici les carreaux des murs. Voilà. Ok, voilà, c'est un noir mat au sol et ici, voilà pour les murs des toilettes qu'ils ont commencé à poser. Ça reste la chambre, donc voici un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, et là il y a les carreaux qu'ils ont commencé à poser au sol, donc je vais pas marcher dessus, hein. Il faut pas marcher dessus. Et en fait ils ont aussi commencé à poser là, mais là c'est à l'extérieur. Ils ont commencé à poser les carreaux effet brique de pierre à l'extérieur. On voit pas bien là, mais à la lumière du jour on verra mieux. Voilà. Oh.
sommes au Luxor Hotel. C'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Puis la salle de bain. On dirait un bain à remous. Et here I am, j'ai pas encore porté ma tenue. Pourquoi je suis blanche comme ça? Voilà, je me suis maquillée simplement, puis je vais m'habiller tantôt et arranger mes cheveux. Voilà. Hello tout le monde, je suis actuellement à Yaoundé pour la finale de Miss Cameroun Région Centre. Regardez ma tenue. I love it. Je vais vous montrer l'habit en entier. Voici ma tenue. Elle est super belle. Les filles sont en train de s'apprêter. Une robe. Voilà. Et je veux pas couronne. Voilà. Tout à l'heure. Comme ça. Oups. Ah oui, j'ai oublié les épingles. Encore à Yaoundé, j'ai pas vraiment eu le temps de snapper ou de vlogger. Pourquoi je dis snapper, c'est l'habitude. J'ai pas eu le temps parce que j'étais avec les autres candidates et honnêtement sortir sa caméra, je suis pas encore habituée à faire des vlogs comme les youtubeurs normaux. Je suis pas encore habituée, donc progressivement, hein, progressivement. Aujourd'hui je me suis maquillée moi-même, puis ils ont demandé de faire un make-up naturel, simple. Nude, parce qu'il y aura le photoshoot officiel tout à l'heure, donc je vais pas pouvoir vous montrer parce que je pense pas que j'ai le droit de montrer les coulisses et tout. Donc voilà, j'ai changé de chambre, je vais vous faire le tour tout à l'heure, mais je suis tellement à la rage, I'm in a rush, que je vais m'en aller. Et voilà, je vais courir rejoindre les autres filles. Et voilà, aujourd'hui je porte la perruque Charisma, celle que je porte depuis la dernière fois que vous m'avez vue, hein, quand j'étais au gala, la cérémonie de Miss Centre, donc c'est la même chose. Puis voilà, voilà, I love it. Donc, see you. Donc ça c'est le prototype, hein, Charisma que je porte depuis un an là. C'est vraiment le prototype, c'est pour ça que... Et en plus, c'est toujours aussi joli. Donc, c'est Charisma en taille 20, densité 150%. En bas de mon site internet, magiclosette.com. Alors, je vais vous présenter la chambre d'hôtel où je réside. C'est juste ici. On va bien une chambre avec un lit rouge. Donc, je me suis déjà installée et tout. Là, il y a une petite penderie. Ici, on voit le lit. Le plafond est haut. Il y a un petit miroir par là. Où je peux me checker si je veux. Et je me mets en accord avec la chambre. Hey, Red. Vous avez déjà vu cette robe, je pense. Dans mon vlog de... C'était quel vlog encore? C'était... J'ai oublié. Gaspé, je pense, oui. Ensuite, on se dirige vers les toilettes. Donc, il y a une cabine de douche. Et il y a le miroir. Voilà.
C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ma tenue du jour, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Vous avez déjà vu ça. Et puis c'est tout. Donc voici ma couronne pour le concours. Et voilà. Là j'attends mon attaché de presse et on va aller pour l'interview avec le journaliste. Je suis tellement fatiguée. Quand je suis au restaurant tout à l'heure, j'ai oublié ma caméra. Mais j'ai pris toute une, quasiment une carafe de café. Quasiment. Parce que je suis tellement fatiguée. On n'a pas arrêté toute la journée. On n'a vraiment, vraiment pas arrêté. Je suis morte de fatigue. En plus, c'est pas ma ville. Hein. Yaoundé, ce n'est pas ma ville. Donc, je connais pas trop la ville. Je suis fatiguée. Demain matin, je rentre. Ah, voilà. Demain matin. Oula, je suis fatiguée. Demain matin, je rentre à Douala. Et voilà quoi, je suis fatiguée. Et on me dit de revenir en plus. On me dit de revenir pour le week-end. En fait, on me dit de ne pas partir. Mais je n'avais pas prévu de rester trop longtemps. J'ai pas de vêtements, j'ai pas de robe pour porter parce qu'apparemment, il y a un événement samedi avec les élites du pays et tout. Donc, ils veulent que toutes les miss s'en aillent à cet événement là et je crois que je vais venir. Ouh, il va falloir que je fasse l'aller-retour Douala Yaoundé. Et les cheveux sont tenus hein, parce que j'ai laissé mes brosses, mes peignes, tout là. Je voulais même utiliser mon fer à boucler pour refaire certaines boucles. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le courant dans la chambre aussi. En fait ça fonctionne le courant quand je mets mon téléphone, mais quand je voulais brancher mon appareil pour boucler, là, ça voulait pas donner. Anyways, voici ma tenue. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Anyways, voici ma tenue. Et voilà. J'attends mon attaché de presse. On va aller voir les avancées des travaux. Et là, il y a vraiment, vraiment le changement. Donc, regardez la porte. Ils ont moulé la porte. Déjà. Ça, c'est une chose de faite. Et les carreaux ont commencé à être mis. Ils sont quasiment finis. Là, on ne peut pas très bien voir. Mais voilà, les carreaux du sol sont mis. Là, il y a la porte des toilettes. Il y a le staff en haut. Et même les briques à l'extérieur. Je vais aller vous montrer un peu à quoi ressemblent les briques sur les murs extérieurs. Donc là, voici mes carreaux. Hein. Sont jolis, jolis, jolis. Voilà, donc là sont les briques à l'extérieur. Ils n'ont pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini de poser. Donc vous voyez un peu l'aspect que ça donne. C'est vraiment joli. Vraiment, vraiment joli. Et voilà. C'est là mon petit jardin extérieur qui va être là. Ici. Bon, nous avons beaucoup de changements. Donc une petite vue de cet angle-ci. Voilà. Et là, on a les toilettes. Bon, on ne peut pas vraiment voir parce que c'est sombre, mais ils ont commencé à poser les carreaux du sol et les carreaux sur le mur. Donc, tout ça est en phase d'être fait. Et puis, yes, nous avons vraiment de l'évolution. Vraiment, ils vont terminer les carreaux cette semaine, ça c'est évident. Et puis, mon père m'a dit qu'ils vont commencer à mettre la peinture lundi. Donc, on va voir tout ça. Voilà. Cette chambre qui prend de l'allure. Elle commence à ressembler à quelque chose. Hey. Oh, grille, hein? Mmh.
Donc c'est ici que se termine ce vlog. Je vous laisse avec quelques images de la ville de Yaoundé, hein, ce que j'ai pu filmer quand je voyageais pour m'en aller à la finale régionale, comme vous avez vu dans ce vlog. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous laissez un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, hein, cliquez en bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais, et surtout surtout activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog. Suivez-moi sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.